Continuons notre enseignement du Tifinagh avec les dernières consonnes. Celles-ci sont plus proches des langues sémitiques. Alors le R, R, comme dans le mot Zri. Le R, ça on l'a vu, pour noter Arares, j'ai utilisé R. Comme dans le mot Arioul, un âne. Arioul, un âne. Le Kha, ça on l'a vu aussi, pour noter je ne sais plus quel mot. Comme dans le mot Afrouch, un garçon. Le qa, ça aussi on l'a vu, comme dans le mot fermé, qan. Souvent pour la prononciation, c'est là qu'on rajoute cette fameuse voyelle e, qan. Le ha, hbou, caché. Hbou, caché. Hbou. Le ha, de hati. Le voici. Alors, celui-là, on le voit pas souvent. Voilà. Allez, on y va. Hati. Voilà. Hati. Le voici. Ami, oncle paternel. Alors là. Ami, un oncle paternel, l'Aïn, la source, c'est le Aïn de l'arabe et de l'hébreu. Alors enfin, toutes celles qu'on n'a pas vues. Là, ça va dépendre un peu des dialectes, mais il y a d'autres consonnes encore. Je la fais sur les vidéos aussi.